Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta avec l'initiative qui a du mal à prendre l'initiative. On s'était arrêté sur ce combat compliqué avec la station Mangazor qui était sans armes et les stations de défense s'étaient faites détruire précédemment. J'ai la moitié de ma flotte seulement, ce qui est très bête, puisque l'autre moitié est ici avec également 4 vaisseaux. Et une opposition bien trop forte. Là, il y a une tourelle à plasma et puis plein de canons laser violets. Bref, 412 de puissance contre 93 de puissance. Autant dire que bon. L'idée, je sais même pas si je peux arriver à faire fuir avant de me faire défoncer. J'ai presque envie de faire un réseau auto. De toute façon, j'ai pas d'outils pour me protéger contre ça. Hein? Ah non, oui, c'est moi qui me fais détruire, c'est ça. Ça a inversé entre la gauche et la droite. Intouchable. C'est très très bête. C'est très très bête, mais c'est ancien. Et voilà, donc bref, quoi. T'es où toi? C'était la flotte terre, ça? Ouais, c'est ça. C'était ma flotte terrestre. Ouais, c'est compliqué quand même. C'est vraiment compliqué. Du coup... Thomas Joker rouge, ok. Qu'est-ce que j'ai comme construction de vaisseau, du coup? Autour de la Terre... Autour de Mangazor... Ouais, je vais les perdre, quoi. Je vais les perdre parce qu'il va jamais me laisser terminer ça. Et de toute façon, j'ai pas assez. Je peux pas lancer la construction d'un nouveau. Pourquoi est-ce que là il me met que j'ai besoin de matériaux explosifs et là il me met pas. Ah oui, dans l'attente de livraison de ressources, d'accord. J'imagine que les ressources sont acheminées depuis la Terre et doivent me coûter du boost. J'imagine. Je sais pas trop comment ça se passe dans ce cas-là. Ça peut expliquer les délais. Bon. Qu'est-ce qu'il en fait de ma station Mangazor? Each and every one of us here has at one time looked in the mirror. Le confinement de l'antimatière. But I tell you now, until you come to love the face that stares back at you, you cannot become something greater. Mm-hmm. Grande pensée. Superior Judith Howe, ticketed live stream. Grande pensée philosophique. Permet à la faction d'amasser les stocks d'antimatière. Donc c'est la... C'est la septième ressource récoltable, l'antimatière. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt, parce que je vais jamais rien pouvoir en faire pour l'instant. Et voilà, Mangazor est détruite. Et Gerta qui se...
fait bombarder et j'ai rien pour la protéger. C'est la station qui avait fait défection, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est dommage. C'est ce qu'on appelle des matériaux gâchés. Ouais. Bon. Donc du coup, j'ai perdu plein de ressources. J'ai perdu plein de ressources. J'ai perdu un spatioport. Je suis quand même pas très très bien. Je suis quand même pas très très bien. Je sais pas trop sur le long terme ce que ça peut donner. Il faudrait que j'aille chercher. Alors, il y a un projet. Je vais mettre en pause. Il faut que je le retrouve. Son nom, c'est un nom compliqué. Je vais retrouver ça. Je reviens tout de suite. Ok. Donc, j'ai bien creusé. Je vais aller chercher sécurité après l'arrivée. Alors, qui normalement devrait me donner accès à un projet qui n'est pas visible ici. Alors, dans la mesure où c'est un projet un peu spécifique, peut-être qu'il est secret entre guillemets, et donc il n'est pas affiché dans la description même de la technologie, et qui permet en fait de diminuer le niveau de crainte des hydres. En fait, ce niveau de crainte, il dépend entre autres des points de contrôle de mission utilisés. J'avais déjà expliqué, je crois, et donc si on fait diminuer, enfin voilà, en fonction du niveau de difficulté de la partie, et ben au-delà d'un certain cap, les hydres, donc les aliens, s'énervent après nous. Et donc il y a des projets qui permettent d'augmenter ce cap. Donc je vais aller chercher ça et puis je vais voir si ça me débloque le fameux projet, parce que là quand même autant bon sur Terre on arrive à peu près à s'en sortir. Ouais, si on veut. Autant dans l'espace boum, voilà, ça détruit. Hop, il va me chercher à me détruire. Il va me détruire toutes mes bases spatiales, en fait, les unes derrière les autres. Alors bon, peut-être que ça va finir par le calmer, hein, mais. Ouais, j'ai un peu plus de chance là. A subi des dégâts, neutralisé. Pouf. Il va toutes me les défoncer, les unes derrière les autres. Bien. Alors, en attendant, nous, ici, on est quasiment réparé. Je vais aller prendre Paris, hop. Comme ça, il n'y aura plus de soucis. Je terminerai par la Suède, et puis, quand j'aurai fait tout ça, bah, le ménage en gros sera fait et l'Union asiatique sera complète. Il faut juste que je continue de. Enfin, non, là, je suis revenu à 0,1. J'ai récupéré un peu de sous, je vais renvoyer des points en militaire, en investissement direct. Hop. On essaie de faire monter la sauce. Bien, donc, j'ai réussi à calmer tout le petit monde. J'ai plus de pente à faire disparaître. Et ça, je pensais pas que j'y arriverais un jour. Bah, il me reste à continuer de capturer les serviteurs, les agents des serviteurs. Donc lui n'est plus ma taupe chez eux. Alors, je peux peut-être essayer de le. Non, je peux pas essayer de le reconvertir. Alors, Cédric Garoumé est toujours capturé. Par contre, où est-il? Je le vois plus. Ah si, Agnilip.
Non, j'ai fait planter. Ah, j'avais oublié. C'était ça que vous n'avez pas vu et qui fait tout planter. Bon, je reviens. Voilà, je suis de retour, donc après un relancement. J'ai profité du temps de chargement qui est assez long, ça fait partie des défauts du jeu, pour rechercher. Ouais, donc j'ai eu bien confirmation qu'il faut avoir sécurité après l'arrivée. C'est normal qu'en fait, je n'arrive pas à trouver le projet qui m'intéresse dans l'arbre, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas trouvé, rechercher ça et rechercher tout ce qui devait aller avant, eh bien, ça n'apparaît pas dans notre arbre. Donc c'est normal. Donc je vais finir vite fait ces projets-là. J'ai boosté un peu du coup ma production de recherche sur cette recherche-là. Elle est vraiment indispensable. Il faut impérativement que j'avance plus vite. Donc on a dit qu'on n'allait pas chercher Agnidi Barail. Je ne sais plus comment il s'appelle. Par l'outil de recherche, on va essayer de choper comme cela. Heureusement qu'il y a une sauvegarde automatique qui se fait au début de chacune de ces phases. Comme ça, j'ai rien perdu. Sinon, l'autre solution, c'est que je foute un peu la paix aux serviteurs. Que je me concentre sur moi-même. Je pourrais peut-être aussi faire ça en fait. C'est-à-dire que de me dire de faire par exemple plein de missions de conseil, ça pourrait être une idée. Essayer de faire baisser un peu la pression. Là, j'ai pas de problème d'opinion. Là, j'ai carrément des problèmes d'opinion, donc on va faire ça. Where do you need me? Alors, qui peut faire la mission conseiller? Ready for my mission. Toi, tu peux. Alors, sauf que ce serait standing mieux si c'était Franz. Voilà, Franz va faire de conseils ici. Offering assistance. Aux États-Unis d'Amérique du Nord, puisqu'il faut booster le militaire. Et donc, pour booster le militaire, il faut plein de points en commandement. En Union Radiatique, j'ai rien besoin de booster en particulier, mais je vais quand même envoyer Dachus. Where to? Voilà, je vais l'envoyer là, et Adriel, attends, opinion publique, là c'est un peu dramatique, là c'est un peu moins dramatique, donc, de toute façon, ils ont tous, I will tell our story. Hop, standing by for orders. Ita, je sais pas où c'est le plus simple. C'est pareil. We'll make our appeal. Enfin, non, ceci dit, là, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de booster mon opinion. We must persuade the Par contre, il faut que je blinde les États-Unis. Protecting our interests. Voilà. On va y aller là, et puis on va faire un tout petit peu plus profil bas. Et puis, bah, voilà. Un complexe minier, ça y est, j'ai perdu ma base. India 50, ouais, il veut tout me les défoncer. C'est vraiment son objectif. 26 février, il en envoie 50 000 pour un vaisseau, quoi. Et comment dire, je suis tout seul, c'est pas la peine de t'énerver, Coco. Est-ce que je peux l'envoyer? Est-ce que je peux le transférer vers la flotte de Mercure, par exemple? Ouais. Non, il faudrait que j'ai 32. Oui, j'en suis très 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 loin. Est-ce que j'ai un intermédiaire ici? Il me faudrait 21,1. Je peux pas. Je peux aller sur la Lune. Oh. Allez. Securing our interests. Offering counsel. Lending my expertise. Alors, est-ce que India. Attends, faut que j'attende qu'il se réapprovisionne. Est-ce que depuis ici, je peux t'envoyer vers Vénus? Oui, là je. 14,5 sur 14,7. C'est tout juste.
Nano-usine détruite, allez. Piège antimatière, ouais, c'est bien, mais c'est pas ma priorité. Mais il va falloir que je me le mette comme favori de toute façon. Hop, voilà. C'est détruit. Ils sont libérés, délivrés, et ils me volent. Oui, putain, j'oublie d'une fois sur l'autre. Il faut que je planque mes gens. Oh putain, c'est la cata. Donc on a dit qu'on laissait tomber les missions de... Tiens, il faut que je prenne ça, je vais prendre ça. Renforcer les habitats. Je laisse tomber les missions militaires pour essayer de booster au maximum. La recherche militaire. The people will come to our side. Ok, à ce tour-ci, tout le monde se planque. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier. Le Pakistan, non, je décline. D'ici peu. Voilà. Alors... Les points d'investissement, la priorité militaire, ça coûte 20 000 quand même. Piège antimatière, ah oui, ça coûte rien du tout. Récolte 25% d'antimatière produite par les rayons cosmiques en orbite. Bon. Pour l'instant, c'est pas trop mon... Bon, ça, je vais le rechercher, ça coûte 3 000. Ouais, bah, terroriser les civils. Là, ça fait vraiment XCOM, ce genre d'événement. Hop. Là, lui, c'est un... C'est un petit alien, hein. La haine des souris étrangères, ouais. Non, mais j'ai compris que tu m'aimais pas. Ah, du coup, ça l'a pas enregistré, que je voulais aller là. Bon. Je me disais, tiens, comment ça se fait? Toi, tu vas te planquer, cachette. Hop. I'm here. Dashus, alors le Dashus, lui, il est tranquille, il est identifié par personne. Acknowledged. Brilleux, il est identifié par tout le monde, donc il va se planquer aussi. Anchoring down. Where do you need me? J'ai peut-être bien une taupe aussi. Hein. C'est pas impossible qu'il ait réussi à me retourner l'un de mes agents, quand même. Pour que j'ai autant de projets qui disparaissent. Hop. Initiating deep cover. Adriel. Identifié Ready. Par presque tout le monde. Allez, on va aller faire se planquer dans différents endroits, même s'il n'a aucune importance. Hop. Going into hiding. Ready for Dashus, tu vas... Tu vas aller bah, t'occuper de ça. Non, tu vas aller identifier... Identifier celui-ci là, ce petit gars. Ouais, 23%. Il n'y a aucune chance que ce soit un alien avec 15 d'investigation. Non, mais on a dit qu'on leur foutait la paix. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il est là, il est pareil. Donc, tu vas juste me faire analyser l'activité extraterrestre. Et c'est tout. Initiating deep cover. Hunkering down. Getting down. Going into hiding. Going off the grid. Nouveau déploiement de marine. Ah. Alors, bah, tu vas aller rejoindre les copains sur Paris. Hein. Hop. Hop.
Alors, Tsukiake. Ouais, bah écoute, là pour le coup. C'est une défense successful. Vague de terreur. L'espoir a laissé la place à une vague de terreur concernant les circonstances de l'arrivée des extraterrestres dans le monde entier. Les gens se dévisagent avec suspicion et se tournent vers les groupes les plus petits et plus familiers à l'exclusion des autres. Et nous ne devons pas nous laisser dominer par la peur. Ah zut, j'ai pas vu ce que c'était. Il est trop vite, j'ai cliqué trop vite. Qui c'était? Je sais plus. Les trucs à antimatière, est-ce que je peux aller retrouver ce que c'était? Eh ben non, je peux pas retrouver ce que quoi c'était. Zut. Peut-être que je l'aurais. Là, on arrive sur Paris. Nettoyage de l'orbite basse. Oui, vaste campagne. Ça me coûte des sous, mais c'est pas grave. Voilà. Ouf. Bon bah j'ai plus de stationnement autour de Paris, de autour de la Terre. Recon complete. Atrocité en tant que héros, c'est dégueulasse. Même pas vrai, j'ai rien fait. Bon bah désolé Thomas Joker Rouge, mais ta station a disparu. Elle aussi, corps et bien. Est-ce que je peux retrouver les éléments, les événements bio? Ça m'a intéressé de savoir ce que ça fait la vague de terreur. Ça, c'est les agents. Ça, c'est dans l'espace. Ça, c'est dans l'espace. Dommage, bon bah j'aurais pas vu ce que c'était. Je mettrai en pause sur la vidéo pour voir. Bon, maintenant que mes gens ne sont plus repérés, je vais quand même. Citron, elle va devoir me faire un tour d'enquête. Acknowledged. Enquête sur Brieux. Eyes on target. Brieux, tu retournes Ready for my mission. conseiller le I will combiné help them. canadien. Ready for orders. Ita, tu fais de la pub en I will try to Union sway the public. Radiatique. Ready to go. Dashus, tu me fais de la du conseiller. En Union Offering Soviétique. assistance. Your orders. Hans Kruger. At your service. Hop. Offering counsel. En Amérique du Nord et Where Adriel, tu me fais de la pub en Amérique du Nord to? I will try également. to sway the public. Offering support. Offering support. I will help them. Canon MK2. Je vais prendre. Ah, les États-Unis prennent le contrôle de Georgetown. Enfin. Changement de régime en Union européenne. D'accord. Ah, bah j'ai du coup, j'ai récupéré. Bon, écoute. Ça, c'est fait. C'était la merde. J'en rajoute un peu. Là, ça va, ça fait pas trop énerver. Il me restera ça à récupérer dans. Dans combien de temps? C'est là qu'il faut que je vois ça. États-Unis d'Amérique, 29 juillet. Ok, c'est pas pour tout.
Je vais attendre que celui-ci We've got débarque. Some intel on our target. Alors, Louis était 19, normalement, je suis tranquille. There's a them and there's an us. Alors. Always has been, as much as we kid ourselves that somehow we've become more enlightened over all these years of blood and suffering. Pile à combustible 3, donc ça permet de diminuer les problèmes de pollution. C'est gentil, mais là, c'est pas mon problème le plus important. Qu'est-ce qui va être mon problème le plus important? Là, ça me permet de faire du gosse amélioré. Je vais regarder. Gosse. Canon de gosse. Arme de plasma. Oui, c'est ce qui vient après, en toute logique. Mais alors, plasma. Pour pouvoir rechercher le plasma, il me manque le canon magnétique, confinement magnétique du plasma. Et avant, supraconducteur à haute température. Et bien voilà ma prochaine cible. Supraconducteur à haute température. De toute façon, c'est ce qui me permet de faire des meilleurs canons Gauss. Hop, c'est quand? 27 mars. Ok, c'est très bientôt. We've moved the needle. The people will come to our side. Eh ben, c'est parfait. Ça monte beaucoup plus vite que ce que je pensais. Mais... Quelqu'un a saboté en Malaisie. Je m'en fiche. Hop. Et vous allez tous ici. Alors non, vous allez tous arriver en même temps, histoire de limiter les dégâts. Donc je change ce que je viens de dire. Annuler. Hop. Annuler. Donc, tac, vous allez tous ici. C'est parti. Et on met du temps India à arriver sur Mercure quand même. C'est pas encore très rapide les voyages spatiaux. Module d'habitat terminé, ouais, c'est bien. C'est quoi? C'est nano-usine. D'accord, il n'y en a qu'un seul qui est parti. Oh, ça m'énerve. Nouvelle armée déployée à Paris. Eh ben, très bien. Nous avons purgé le projet Exode. D'accord, donc ça, c'est pas moi, c'est mon espion. J'ai perdu une armée en Union européenne. Oui, de toute façon, j'ai dit que je m'en fichais un peu. De toute façon, l'Union européenne, il reste quoi? Londres, Santa Cruz de Tenerife, Belfast, Saint-Denis de la Réunion, Kourou et Nouméa. D'accord. C'est. Les territoires, les dom-tom et communautés d'outre-mer de la France, de l'Espagne et ce qui reste de l'Angleterre. Tout le reste, je m'en cogne, il n'y a de toute façon plus grand chose ici. Hein. Ça génère plus rien. Là, je suis à zéro
pour le coup. Alors, il y a la cohésion qui est en baisse. Par contre, l'éducation a augmenté. Bon, toujours pas ça au niveau du... J'ai 4 armées. 4 armées, je vais arrêter d'en faire plus. J'ai suffisamment d'armées. 4. Par contre, je vais rebooster. Je vais me remettre à booster le savoir. Militaire. Bref. Allez. Hop. Allez, on repart à fond sur le savoir. Un peu d'unité pour maintenir ça. Des inégalités qui restent basses. Donc ça, c'est bon. Je vois après la Suède de toute façon. Ici. Je continue de booster comme cela. Bâtir une armée. J'en ai combien? J'en ai 4 toujours. Ici. Je suis à... Ici, je suis... Je booste l'économie. Là, c'est bas. Là, c'est varié. Donc, c'est bon. Le savoir est bien. Il me semblait que j'avais... dit que c'était plus la peine de trop le booster. Hop. Ouais, là, comme ça. Voilà. On booste l'économie. Par contre, je vais peut-être garder un peu de bien-être. Hop. Voilà. On va se mettre comme ça en combiné panasiatique. Non. Bon, je veux dire, ça remontera tout seul. Et puis je vais faire la paix. La Suède, t'es en guerre, t'es allié à l'Australie. Mondial, qu'est-ce qu'il me reste comme guerre? Donc je peux faire la paix avec l'Australie, dirigeant de l'Alliance, Union Eurasiatique. Donc l'Union Eurasiatique peut faire la guerre avec la paix avec le Pakistan et l'Australie. Eh bien, ça va être le boulot de... ça va être le boulot d'Adriel et d'Ita. Citron, tu continues d'enquêter sur mes agents. We'll see what they're up to. Et les autres vous conseiller. Lending my expertise. Offering assistance. Nous avons terminé le projet. Attention, ciblée augmente la quantité maximale de ressources. D'accord, ok. Alors, ça s'est fait quoi? De l'antihydrogène est annihilé à l'intérieur d'une bouteille magnétique, ce qui génère de l'énergie. Waouh. Réacteur à cœur plasmique d'antimatière. Donc ça débloque, ça permettra d'aller vers d'autres types de moteurs. Les catalyseurs à antimatière, une quantité d'antimatière est stockée, utilisée pour catalyser la réaction nucléaire. Augmente ainsi de 50% la poussée des propulseurs à fusion et à fission. Oh, c'est bien ça. C'est carrément bien ça. Oh lui. 21 mars, c'est presque bon. Person of interest surveilled. 11 pour Ita, ça c'est pas terrible.
That senators demand that we deploy rifle companies to patrol the suburbs for aliens is foolish for so many Donc, reasons. Là, il me le marque pas, mais normalement, il y a un moment où je devrais le récupérer. Défense mondiale en réseau. Là, j'ai les missiles avancés. L'esprit à la machine, ça fait quoi? Ça fait encore plus de cybernétique. J'aime le cybernétique. Ça me fait marrer d'avoir des agents qui sont des cyber complets. Tout ça, je m'en fiche un peu. Ah, non, c'est pas ça. Non plus. Ah tiens lui. Ah c'est celui-ci. Donc celui-ci. Ah. Définir comme favori. Feu de forêt. Tac. Stop. Alors, on change tout de suite. Préparation de l'ADN. Ça viendra plus tard. Je vais chercher du prix stratégique. Voilà. Et donc, maintenant, il devrait apparaître. Si je fais afficher tout l'arbre. Du prix stratégique. Voilà. Maintenant, il apparaît alors qu'avant, il n'apparaissait pas. Et j'aurai son petit copain qui arrivera après. Donc c'est quand même un projet à 10 000 en solo. C'est pas des tout petits projets. Mais peut-être que ça me permettra de souffler un peu. Et de reconstruire mes bases qui sont toutes faites démolir. Là je remonte un peu. Doucement. Ouais. Ok. Donc vous 6. Tac. Tac. C'est parti. Ah, tiens, je recommence à avoir des plantes, là. Ouais. Est-ce que je peux aller les péter avec lui? Mission complete. Alors, faire la paix avec l'Australie. Confirmé. Hop. La station Louis-Joliet, oui, bon, de toute façon, policy direction complete. Faire la paix avec le Pakistan. Pim. Wrapping up here. Alors, Hambourg, est-ce que tu peux... Oui, je peux attaquer la cible extraterrestre. Tout est détruit, désolé Damned. Hop. Bien. Donc, c'est presque la paix dans le monde. Presque. Alors, au niveau opinion, donc là c'est bon. Là c'est bon, c'est remonté. Et là, je pourrais redonner un petit coup de pouce. Alors, tac. Là, allez, ici, du coup, Adriel. Tu vas me faire un peu d'allégeance sur Nita. Et toi, tu vas continuer d'enquêter. Dashus 50%, il n'est pas du tout blindé en sécurité. Offering counsel.
offering assistance. I think we had a breakthrough. I will help them. Priorité Providence plus 5%. Ouf. Voilà. Donc, plus d'armées à Stockholm. Mes armées sont en très bon état. Parfait. Et ben, tu vas recommencer. Voilà. Surveillance complete. 22. Donc là, il n'y a aucun souci. Du côté de Dachus. Pile à combustible 3, je vais me le mettre en favori. Un ovni s'écrase sur Terre, bah tiens, tu m'étonnes. Public sentiment is increasingly with us. 2%, c'est pas terrible. Bon. Ça y est. Il va falloir que je refasse baisser l'agitation. Alors, maintenant que l'Union Asiatique est complète. Hop. Il y a juste Ulaanbaatar. Ouais, mais qui est dans le combiné pan-asiatique. Et Anchorage, qui est aux États-Unis d'Amérique du Nord. Et là, ah oui, et là ensuite c'est toute la partie hindoue. Cette partie-là. Très clairement. Et ça, ouais. Hop. J'ai une région hindoue. Vladivostok, donc tout ça, c'est déjà chez moi. Et ici, j'ai Nuke qui va bientôt arriver à la maison. Tout seul et de façon parfaitement pacifique. Prepping for next mission. Pourquoi est-ce que mission de conseil. Ah ben parce que c'est. J'ai pas fini mon tour. Hop, augmente l'agitation Venezuela si tu le souhaites. Alors là, je vais faire un truc qui s'appelle tout le monde retour à la maison, histoire de pas avoir à gérer les déplacements de chacun. Pas réussi. L'Union Européenne, oui, mais j'ai dit que je m'en fichais maintenant de l'Union Européenne, elle ne m'intéresse plus. De toute façon, l'Union Européenne, c'est l'Angleterre. Et j'aurais presque dû lui donner son indépendance avant de... Bien, et bien sur cette réunification, pas réunification, terminé, je vais arrêter cet épisode. Je vous souhaite bien du bon temps. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé de tout ça. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.